Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ce fameux jeu My Hero Academia. Nouvelle annonce. Je voulais publier une vidéo hier, mais je me suis dit, vas-y, je vais attendre qu'ils nous annoncent le gameplay, qu'ils nous montrent le gameplay du personnage. Et réellement, je ne suis pas du tout déçu. On va directement aller voir ça. Et c'est parti, c'est parti. Vous allez voir que le gameplay de ce personnage qui est Mina, la fameuse héroïne qui envoie de l'acide, son gameplay, et je l'ai découvert il y a quelques minutes, juste avant de publier la vidéo, enfin, juste avant de tourner la vidéo, et je vous assure qu'il est incroyable. Avant toute chose, on va lire. On va lire. Son personnage, on va lire ses caractéristiques. Du coup, voir la traduction. Son passif, vague de danse acide, on va appeler ça, parce que la traduction n'est pas à son apogée, on va dire, laissant l'ennemi nulle part où se cacher. Je pense que réellement, cette attaque permet, enfin, cette compétence permet de rendre visibles les personnages tels que, comment il s'appelle, Tsuyu? Pourquoi pas? Et ça pourrait être très intéressant pour la suite. Les dommages causés par le minage, l'état corrosion augmente. L'état corrosion, est-ce que ça pourrait être? Nitrogénation forte de l'acide. La concentration en acide est ajustée pour rendre la corrosion acide plus forte. Du coup, ça. Je pense que l'acide a un effet de dégâts continu. Et la blessure causée par le personnage augmente par pourcentage de vie ou un truc dans le genre. Un truc similaire. Là, on n'a pas la traduction exacte. Du coup, j'essaie de terminer par moi-même. Et on va attaquer le gameplay. Avant ça, je vous montre un peu l'artwork et à la fin je vous donne mon avis sur les personnages et qu'est-ce que je pense, enfin dans quelle catégorie sera, enfin elle sera plutôt, si c'est un A, un B ou un S. Et on va aller voir ça de suite. Allez, c'est parti. Vous savez que le perso il est vraiment très stylé, hein. Je le trouve très très. Son gameplay il est incroyable, hein. J'enlève le son. J'enlève le son. On va mettre ça plutôt. Son gameplay je le trouve vraiment incroyable, hein. Et du coup on repart un peu sur son gameplay. On va l'analyser petit à petit. Là, en vrai, ils nous montrent pas tout son gameplay. Ils nous ont juste montré les auto-attaques et une compétence plus l'ultime. Ils nous ont pas montré toutes les compétences. Et réellement, je pense que ce personnage a un bel avenir sur la version chinoise. Bah, on va aussi dire la version globale parce que je pense qu'il pourrait arriver très bientôt. Et du coup, on va analyser action par action. Alors là, on est ici. Là, c'est les auto-attaques. Ça, c'est la compétence. Là, elle a envoyé deux compétences. Elles sont assez stylées, je les trouve. Et là, la compétence ultime, qui, je pense, vu qu'elle attaque en zone, si on rentre dans la zone, pourrait réellement envoyer plus de dégâts, comme la zone de poison de Tsuyu. Petite glissade en avant qui est une charge, suivie d'une attaque. Je dirais une attaque à moyenne distance, à coup d'acide, ça pourrait être pas mal, hein.
Le perso est très intéressant pour moi, enfin pour moi, pour ma part, je le trouve très intéressant. J'espère du coup que la vidéo vous a plu. Gameplay de ce fameux personnage qui est Mina. Et réellement, que je ne dise pas de bêtises, Mina Ashido, voilà. Donc gameplay très intéressant, vraiment. Et du coup, je vous dis ciao, à la prochaine. Et on se retrouve à très bientôt pour voir son événement. Peace et prenez bien soin de vous.